les filles, alors, enfin recoucou du coup, juste après la vidéo donc du jour numéro 20, je suis allée voir dans ma boîte aux lettres et j'avais un petit courrier. Alors je me suis demandé qui c'était, si c'était ma famille ou quoi, ou qu'est-ce. Mais quand on retourne, qu'est-ce qu'on voit? Une petite clochette. Alors qui est-ce à votre avis? Je vous laisse mettre un commentaire avant que je réponde. Eh bien, c'est Brie Clochette. Voilà, alors, ben, j'étais très contente. J'ai limite crié. J'ai limite crié tellement j'étais contente de recevoir un courrier. Et du coup, je suis désolée parce que j'ai pas fait. Mais je vais faire. Et je pense que. Je sais pas encore si je vais faire une carte spéciale. Ou si je. Comment dire? Si j'envoie en fait une carte que j'ai pu faire auparavant en fait sur le thème de Noël. Ou même peut-être une carte que j'ai faite aujourd'hui. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pressée d'ouvrir. Alors, je prends mon petit ouvre-lettre. Je suis contente. Je suis comme une enfant. Mais alors, comme une enfant. Oh là là, magnifique. Alors, je vérifie, c'est bon. En plus, il y a des jolis petits timbres. Les timbres assiettes aussi, j'en ai, ils sont superbes. Oh, c'est sublime. Waouh, que ça brille. En plus, j'adore quand ça brille. Alors, il y a un petit lutin colorisé et super mignon. Super mignon, avec plein de. Alors, je pense que c'est du glossy accent. Je pense. En tout cas, plein de paillettes. Super, les boules. Donner le petit cadeau avec de l'or, du feutre or. Un petit nounours tout pailleté. Super mignon. Ah, puis le fond, il est juste sublime. Je vais aller regarder sur ta chaîne si tu as fait voir le fond comme ça. Si tu as mis en ligne le tuto du fond. Ah, mais il est sublime le fond. Franchement, j'adore. Je sais pas comment t'as fait. Je vais aller tout de suite voir, ouais, sur ta chaîne. Si tu as mis, et si tu n'as pas mis, tu as intérêt à mettre le tuto, Brie. Ah, franchement, il est sublime. Et puis, elle a rajouté plein de demi-perles dorées comme ceci. Super beau. Et même le papier de la carte, il est bleu pailleté. Il est magnifique. Et toujours le petit tampon au dos. Enfin, c'est difficile avec les paillettes. Voilà, Brie Clochette. Donc, on reconnaît. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, on reconnaît tout de suite quand on voit la clochette de qui ça vient. Alors, donc bah, je te remercie énormément, Brie, ça fait énormément plaisir. Franchement, j'ai pensé en fait à faire ça à. Bon, il y a longtemps, au mois de novembre, j'avais pensé faire une carte pour toutes les filles avec qui j'avais pu échanger depuis un an que j'ai commencé les échanges et le scrap. Et puis en fait, comme j'ai. Avec le calendrier de l'Avent, bah, ça prend pas mal de temps, du coup, j'ai pas fait. Je ferai peut-être certainement. Je le ferai certainement peut-être. Enfin, ça veut rien dire, certainement peut-être. On verra. Vous verrez bien dans vos boîtes aux lettres, les filles. En tout cas, pour celles avec qui j'ai déjà échangé. Pour la bonne année, en fait. Voilà. J'aurai un peu plus de temps, du coup, du 25 ou 26 au 30. Vous le recevrez peut-être pas avant. Ah, mais franchement, Brie, ça me touche. Mais. Oh là là. Je ne sais quoi te dire. Alors, à part un grand merci. De toute façon, je vais t'envoyer un message, ça c'est sûr. Franchement, c'est super. Je te remercie, ça fait énorme. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc. J'arrive pas. Quand on pense à nous comme ça. Oh là là, une petite attention comme ça. Enfin, une petite. Pour la personne qui l'a fait, c'est juste une petite attention, c'est une petite carte, voilà, pour souhaiter un joyeux Noël. Mais pour la personne qui la reçoit, c'est. Oh, franchement, je sais pas quoi te dire. C'est énorme. C'est énorme. Alors, enfin. Je sais pas quoi dire. Mon Dieu. Ben, Brie, je te remercie énormément. Franchement, je. Je sais pas comment te remercier.
parce que même te renvoyer une carte, du coup c'est moins spontané parce que je vais y répondre après à la tienne, mais enfin je te remercie. En plus le fond il est sublime et tout. Oh, franchement je te remercie. Je voulais vous la mettre à l'endroit aussi pour que vous puissiez en profiter aussi, hein, quand même. Profiter des belles choses, alors profiter de cette jolie carte. Alors ben voilà, je vais me répéter, mais je te remercie beaucoup, Brie. Ça fait énormément plaisir que t'aies pensé à m'envoyer une carte. T'as dû faire aux autres aussi, hein, mais je veux dire, merci de m'avoir envoyé une carte. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Je pensais tout bêtement que c'était ma famille. Moins, pas que ça me fasse pas plaisir, hein, mais voilà, entre famille, c'est normal. Et quand j'ai vu la petite clochette derrière, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. J'étais vraiment contente. J'ai eu des papillons au ventre, réellement. J'étais trop contente, comme une enfant qui recevait une lettre de son amoureux. Franchement, sauf que bon, t'es pas mon amoureuse, mais c'est énorme. Franchement, j'étais hyper contente et en plus, elle est magnifique. Enfin, même si elle était pas magnifique, le geste est magnifique. Je vais arrêter, je vais me répéter de toute façon. Mais voilà, je te remercie énormément, Brie. Je pense à toi et du coup, je vais me venger, entre guillemets. J'espère que ça te fera autant plaisir que ça m'a fait plaisir de recevoir une carte de ta part. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est fini, deuxième vidéo de la journée, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Donc, je vous dis cette fois-ci, bonne journée. Ma boîte aux lettres est vide, ça c'est sûr. J'ai vérifié. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, du coup, ça me fait penser à penser en fait aux autres. Penser à faire plaisir. Parce que vraiment, là, bon, je suis pas malheureuse, je suis pas toute seule, etc. Enfin, je veux dire, voilà. Mais pensez aux gens, si vous pouvez faire plaisir à quelqu'un qui est tout seul ou quoi que ce soit, vous avez une voisine qui est toute seule ou un voisin, peu importe, hein. Bah envoyez-lui, enfin postez-lui une petite carte ou quelque chose comme ça. Pensez aux personnes qui sont seules et qui quand ils vont recevoir cette carte, enfin pas celle-là, hein, parce que celle-là c'est la mienne, hein, mais quand ils vont recevoir une carte, ils vont être contents parce qu'on pense à eux et qu'il y a quelqu'un qui, voilà, on est entre guillemets pas tout seul. Donc voilà, petit message de joie, de partage pour Noël. On est dans le thème et c'est important. C'est vrai que c'est important. Donc bah écoutez, voilà, je vous dis bonne journée à tous et puis bon bah cette fois-ci, c'est sûr, à demain. Bisous.